Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un petit glitch qui est un peu connu mais qui est vraiment très très fun et qui va vous permettre tout simplement d'aller dans une tour de la base militaire. Donc cette tour est complètement modélisée, il y a vraiment du décor assez intéressant à voir à l'intérieur. Donc du coup je vais vous montrer comment rentrer dedans, donc c'est vraiment très très simple. Donc pour cela vous allez tout simplement vous rendre dans le mode éditeur, et une fois que vous êtes dans le mode éditeur vous allez tout simplement demander à créer un affrontement, et vous allez tout simplement accepter. Vous allez créer un affrontement, vous faites pas l'introduction, vous faites créer un affrontement. Donc on va tout de suite se diriger vers la base militaire, on va aller directement avec la carte, je pense que ça va être mieux parce que la base militaire est un peu loin quand même. Donc on va tout simplement se mettre le curseur sur la base militaire afin de se téléporter très rapidement sur la base militaire. Donc là il y a le petit chargement tranquillou. Hop, donc vous êtes dans la base militaire et là vous pouvez apercevoir une tour. Une tour en fait, hein, c'est la tour de contrôle de la base militaire. Donc il y a des glitches pour entrer dedans en multijoueur, directement en multijoueur. Mais le seul inconvénient c'est que vous avez les flics. Alors que là, vous ne les avez pas. Alors, vous allez tout simplement placer votre curseur près de l'ascenseur tout en haut de la tour. Faire en sorte que le curseur soit bien au sol. Et vous allez tout simplement faire back. Et vous allez pointer vers votre joystick vers le haut. Afin de courir. Et vous appuyez sur A. Et après, normalement, si tout se passe bien, vous allez simplement wallbreach la tour, l'ascenseur, la porte. Et vous pourrez, à ce moment-là, visiter l'intérieur de la tour qui est vraiment assez sympatoche à voir, hein. Donc vous voyez qu'il y a vraiment de tout. On va vraiment monter, on va aller faire un petit tour, on va visiter, hein, parce que comme ça voilà on va visiter tranquillou. Donc vous pouvez pas si on peut sauter, voilà, c'est bien ce que je me disais, on peut pas sauter. Est-ce qu'on peut aller ici? Non, on peut pas ici. Donc il y a des salles où vous ne pouvez pas aller, donc c'est vraiment très très simple. Et là on se retrouve à la salle supérieure, donc vous voyez vraiment tout ce qu'il y a sur de la base militaire, hein. Vous pouvez faire des petits délires. Houston, est-ce que vous me recevez? Houston, vous nous entendez? Bref, je pars dans des petits délires assez what the fuck, mais bon, c'est pas très grave. On va descendre tout en bas parce qu'il y a des images assez bien et assez bien, ouais, bien, on va dire ça comme ça, à vous montrer. Donc, ça c'est chiant pour descendre tout en bas, sachant qu'il n'y a pas l'ascenseur. Hop, en attendant, moi je vais vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc comme je le disais dans une de mes dernières vidéos, il me reste plus que 1200 places dans mes amis Facebook. Donc je vous conseille de vous dépêcher de m'ajouter. Je vous accepte de volonté, il n'y a aucun souci. Donc tous les liens se trouveront dans la description. Et pourquoi pas aussi rejoindre la chaîne 100% course qui se trouvera aussi dans la description. On vient de passer le cap des 2100 abonnés, c'est énorme, je vous remercie. Donc je suis en train de m'étaler sur tous les murs, donc on va arrêter de sauter parce que je m'étale sur tous les murs, c'est vraiment pas l'intérêt. Regardez-moi ça, je m'étale sur les murs. Oh, il nous a fait une petite galipette et là il s'est étalé encore sur les murs. Bravo. Donc on va descendre. Mais qu'est-ce qu'il me fait? What the fuck? Qu'est-ce qu'il me fait mon personnage là? What the fuck? Mon personnage est complètement en train de bugger. Donc vous voyez toute manière sur les images, sur la vidéo. Donc c'est assez chiant de descendre tout en bas. Le pire c'est de remonter, mais bon, pour remonter je pense que le mieux c'est de refaire la technique pour wallbreach. C'est vraiment le meilleur. Donc là vous êtes tout simplement dans le premier étage, et là vous avez une salle de classe. Donc si jamais vous voulez aller à l'école militaire, vous avez le choix, vous pouvez y aller si jamais ça vous tente. Du coup il y a des posters, il y a des images avec des armes et tout qui sont assez bien, qui peuvent être être vues, hein, parce que c'est des images voilà quoi, des petites images d'armes. Ici il y a les armes qu'il y a sur le solo et le multijoueur. Et là vous avez la salle de contrôle où il y a les caméras. Donc il y a un de mes potes, on avait été rentré dedans et c'est tout simplement trollé, c'est à dire qu'il voyait quelqu'un sur les caméras, mais il se disait what, il y a un fantôme virtuose, il y a un fantôme et tout, mais en fait c'était tout simplement son petit personnage à lui. Donc il s'était vraiment fait troller par lui. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère que ce petit wallbreach, hein, vous aura plu. C'est vraiment un petit truc simple.
qui vous permettra de visiter cette petite tour. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, ça fait trois fois que je le dis, mais c'est pas. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.